Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des raisons pour lesquelles vous ne devez pas voyager en France en 2023 et aussi en 2024, si vous voulez, dans les 2 prochaines années. Alors, si vous avez déjà commencé un projet, évidemment, vous allez suivre votre projet jusqu'au bout. Cette vidéo a juste pour but de vous donner les réalités qui se passent actuellement en France. On se retrouve. Comme j'ai dit dans cette vidéo, je vais vous exposer les faits qui, pour moi, sont des faits considérables pour lesquels vous ne devez pas envisager faire un projet de voyage en France pour l'année 2023 et pour l'année 2024. Et encore, je le répète, si vous avez un projet, cette vidéo n'a pas pour but de vous décourager, mais simplement pour, il a pour but, enfin, elle a pour but de vous mettre en garde sur ce que vous pouvez rencontrer actuellement en France. La première des raisons pour lesquelles vous devez envisager faire votre projet, si vous avez un projet de 5 ans d'études, projet de 10 ans d'études, vous devez envisager faire votre projet dans un autre pays, c'est l'instabilité en France. Aujourd'hui, la France, oui, la France est un bon pays qui accueille les étudiants étrangers et qui aujourd'hui, même moi, dans ce sens-là, j'aide beaucoup de gens à voyager, à étudier en France. Mais en ce moment, c'est compliqué. C'est chaud. Je ne peux pas fermer les yeux sur ça. Donc, l'instabilité en France. La France n'est pas stable. Par rapport à tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux, tout ce qui se dit, ou encore tout ce que vous voyez sur la toile, enfin sur les réseaux, quoi, c'est trop grave. Et cette situation rend la France instable, que ce soit pour les étudiants étrangers, pour les étrangers en général, pour les noirs, si vous voulez, pour les arabes, pour tout le monde, c'est très très compliqué. Je ne sais pas si vous avez suivi, récemment on a eu une situation très dramatique. Donc un jeune qui s'appelle Naël qui a été assassiné par un policier pour avoir refusé d'obéir à un contrôle. C'est très compliqué. Donc, il a été assassiné de sang-froid et tiré une balle dans la poitrine. Et encore, ça c'est pour lui. Tout le monde connaît, on a vu des vidéos, on voit ce qui s'est passé et autres. Et après, je pense, 2 semaines ou un mois avant ça, il y a un étudiant guinéen, enfin pas un étudiant, mais un jeune guinéen qui a été aussi assassiné. Enfin, qui a été tué par un policier. Il sortait de chez lui à 4 h du matin pour aller au travail et malheureusement pour lui, il rencontre des policiers qui l'arrêtent. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Apparemment, c'est une version que les policiers ont racontée. Il a mis la marche arrière pour reculer et a tapé sur un policier. Et l'autre policier l'a tiré dessus. C'est compliqué. En résumé, vous pouvez voir que ces situations, ce sont des situations très très graves qui rendent vraiment la France instable. Et aussi, par la même occasion, on a découvert des groupes Telegram qui avaient pour but ou qui ont pour but de rendre la vie difficile aux Noirs, aux Arabes en général. Ça, c'est très compliqué. On voit comment les gens programment. Comment ils vont faire les choses, comment ils vont traiter les Noirs, comment ils vont attaquer, violer les Noirs, tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est par rapport à ça, je vous mets en garde. Si vous avez un projet de venir en France, essayez de voir le bon moment. Et si vous avez déjà entamé votre projet, regardez la réalité en face et préparez-vous aux choses que vous allez voir sur le champ. Le deuxième point que je vais citer ici, c'est le racisme. Est-ce que la France est un pays raciste? Moi, pour répondre à la question, je dirais non. La France n'est pas raciste. En vrai, on voit beaucoup de gens mal élevés, beaucoup de gens racistes.
racistes. On voit beaucoup de gens qui n'ont jamais vu des gens qui sont pas à l'aise avec les étrangers, tout ça. C'est normal. Mais moi, personnellement, ça fait longtemps que je suis en France, que j'habite en France, que je fais les choses en France. Je n'ai jamais vécu une situation embarrassante dans ce sens de racisme ou quoi que ce soit. Mais par rapport aux gens que j'ai pu contacter, enfin des gens que j'ai pu voir, je parle avec beaucoup de gens, il y a des gens qui vivent des situations compliquées dans les transports en commun, dans le milieu professionnel, c'est-à-dire dans leur travail, au niveau de chercher du travail, dans la vie quotidienne, et dans les magasins, au milieu de faire leurs courses, tout ça, c'est compliqué. Et surtout pour les étudiants, quand vous arrivez dans une ville où vous connaissez personne et que vous rentrez dans une classe où vous êtes le seul noir, des fois vous pouvez vivre des situations très compliquées qui peuvent vous créer des séquelles. Quand je vous parle des séquelles, c'est tomber en dépression, ne pas aller en cours parce qu'il y a beaucoup de choses. Ou encore avoir des mauvaises notes, ne pas comprendre ce qui se passe, tout ça, c'est très très compliqué. Donc, si vous avez un projet, préparez-vous à cela. Après, comme je le dis toujours, rien n'est facile. C'est pas pour autant que vous allez abandonner votre projet de vouloir étudier, de vouloir travailler, de vouloir partir en vacances, mais c'est aussi le moment de voir ailleurs, par exemple. Aller dans des autres pays, découvrir, voir ce qui se passe. Après, c'est pas qu'en France, même dans les autres pays, il y a de l'instabilité, de l'insécurité et beaucoup de choses. La troisième des choses que je vais vous donner, la troisième raison pour laquelle vous devez réfléchir, c'est l'insécurité. Aujourd'hui, quand on est étudiant étranger ou quand on est simplement étranger en France, on n'a pas le sentiment d'être en sécurité. Ça, je vous le dis parce que je l'ai vécu moi-même. Des fois, je rentre chez moi. Des fois, bon, après moi, je suis un garçon. Ça va. Je suis un garçon. Et je ne vis pas beaucoup de situations comme ça. Mais moi, je connais des filles. J'ai même une fille que j'ai suivie, qui a fait son dossier avec moi, qui est venue en France. Et aujourd'hui, on échange des messages. Et elle a vécu des situations comme ça. Trois fois, dans la roue, enfin, dans la rue, elle marche, elle était en soirée avec des amis et elle rentre toute seule. Elle se fait accoster par des garçons bizarres. Elle se fait suivre, c'est-à-dire il y a des gens qui lui suivent, il y a des gens qui sont en situation compliquée, et des cris bizarres, singes, tout ça. Et c'est trop trop compliqué. Pour quelqu'un qui a 17 ans, qui a 18 ans, qui a eu son bac, qui est venu en France pour étudier, ça peut être compliqué. Des garçons aussi ont vécu des situations comme ça. Quand tu arrives en France, tu es tout souriant. Je connais des gens qui arrivent, même moi, et beaucoup de gens, vous pouvez le demander à tout le monde, quand on arrive, on vient avec la mentalité d'Afrique, c'est-à-dire d'être gentil avec tout le monde, de dire bonjour à tout le monde, de saluer tout le monde. Et quand on arrive, des fois, on est dans des situations où tu dis bonjour, personne ne te répond. Tu rentres dans le métro, on te regarde comme si tu étais une merde. Donc, c'est tout ça, c'est très difficile. Et il faut donc vous préparer à ça. Préparez-vous mentalement. Quand vous venez, c'est pour des études. Faites vos études. N'allez pas suivre des gens qui sont ici. Des gens qui sont nés ici, des gens qui font leur situation est ici. Ne suivez pas ces gens-là parce que la plupart des cas aussi, j'ai vu des gens comme vous, comme les étudiants étrangers, comme tout le monde, qui sont tombés dans des situations compliquées, dans des groupes compliqués et qui sont devenus délinquants par rapport à ça. Donc aujourd'hui, la vue. Vous êtes vu comme, quand tu arrives en France, tu es vu comme un délinquant, parce que tu es noir. Tu es vu comme... Normal, tu es vu comme un étranger, mais après tu es vu comme quelqu'un qui va troubler, qui va ramener le désordre,
quelqu'un qui t'es vu vraiment tout sauf quelqu'un de normal qui est juste là pour étudier tranquillement. Donc, il faut aussi faire attention à ça. J'espère que cette vidéo vous aurait plu ou vous aurait aidé par rapport aux situations que vous devez voir. Et après, les situations que j'ai citées dans cette vidéo, c'est des situations que tout le monde voit, c'est des situations que tout le monde a vécues. Et vous pouvez voir la même chose au Canada, peut-être, vous pouvez voir la même chose aux États-Unis, vous pouvez voir la même chose en Chine, vous pouvez voir la même chose au Maroc, vous pouvez voir la même chose au Sénégal, vous pouvez voir la même chose dans tous les pays, en fait. Mais aujourd'hui, ça passe. En fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui passe pays par pays. Il y a des moments où on entendait des choses bizarres aux États-Unis, des gens, des militaires qui assassinaient des gens, tout ça, on entendait. Mais on a l'impression que c'est le tour de la France. La France suit le même chemin. Et du coup, ça devient de plus en plus embarrassant. Quand vous avez des groupes, des gens qui se sont réunis pour réfléchir à comment vous faire du mal, ça craint. Ça fait peur à tout le monde. Aux parents, aux élèves, à tout le monde. Et je pense que vous le savez aussi, il y a quelques temps, on a entendu ce qui s'est passé en Turquie, je pense. Une jeune fille de 17 ans qui a envoyé des messages à sa maman, qui a été assassinée, comme ça, sans problème. Donc, comme ça, normal. Vous voyez? Donc, le projet de voyager à l'étranger, c'est bien, c'est un bon projet. Ça vous fait grandir, vous aurez beaucoup de culture, vous allez faire beaucoup de choses, mais faites très attention. Et pour des parents qui regardent aussi cette chaîne, faites très attention, préparez vos enfants mentalement. Que ce soit des enfants qui ont 17 ans, des mineurs qui viennent en France, sont toutes seules, enfin, qui vont dans d'autres pays toutes seules, et préparez-vous à tout ça. Parce que quand vous êtes préparé, je pense que c'est beaucoup, c'est pas facile, c'est pas facile, mais. Quand tu vis une situation que tu t'attendais, enfin que tu attendais, c'est beaucoup plus facile, tu vois, que quand tu vis quelque chose qui va te choquer toute ta vie. Il y en a des choses qui m'ont choqué et qui me choqueront toute ma vie, le reste de ma vie. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, c'est une vidéo évidente. J'espère qu'elle vous aurait aidé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu pour du soutien. Comme toujours, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est très important. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On va rester sur l'actualité pour vous donner des nouvelles. Et encore, courage et force à toutes ces personnes qui demandent le visa, qui sont dans une quelconque étape de leur projet de voyager en France, dans d'autres pays. N'abandonnez pas, c'est pas ça qui va vous faire reculer. Mais c'est ça qui va vous faire réfléchir à adopter des stratégies nécessaires pour durcir et pour nourrir votre mentalité, votre mindset. Franchement, c'est pas à prendre à la légère. Vous en aurez besoin. Allez, c'était Fabien.